Alain, vous êtes là? Alors, voilà, il faut dire que je suis en bain. Je suis en bain. Je vous parle d'un bain. Voilà. Je suis au huitième. Je suis au huitième, à quelque part des Champs-Élysées. Et de l'Arc de Triomphe, en fait, du palais présidentiel. Et de tous les grands centres d'un bain. Donc, celui qui a vu dépasse celui qui n'a pas vu. Donc, nous, on est en bain. Et à partir d'un bain, je vous parle. Quelqu'un me demandait que pourquoi est-ce que je ne sors pas? Il faut profiter, sortir, se promener et tout. J'ai dit que pour aller où? J'ai pas l'habitude de sortir. Non, il faut aller, il y a les grands magasins, il faut. J'ai dit non, moi je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour une mission. Je suis concentré sur ma mission. J'achève ma mission et je rentre chez moi. Je vois pas ce qui va m'éblouir dehors. Donc, mes amis, nous avons un grand direct ce soir déjà. Soyez très nombreux à être connectés ce soir à partir de 22h, heure de France, et 21h, heure du Cameroun. Donc, nous allons entrer dans des révélations terribles. Terrible, 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 terrible. Oh, Gorazamina ou Dali Filazo, Biasmanta ou Aluki, Anorabana ou Lovrasna. Ora biasme ta udali Eloi filas mano audalka wa anna usmarno filosi. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, bien-aimé, je suis un bain. Donc, c'est un benguiste saisonnier qui vous parle. Vous avez lu mon texte sur le benguiste. Un bain, ici, les choses ne sont pas comme vous pensez. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une nuit de prière ici, dans le salon du Grand Paris, Serpente. 8 rue, Serpente. 8 rue, Serpente. Champigny-sur-Marne. 94-500, je pense. Ça, c'est l'adresse. Ce sera ce vendredi, à partir de 21h. Ce sera redoutable. Je serai accompagné de mon bien-aimé, l'évangéliste Makanzo. Et après cela, j'irai à Lille chez lui. Donc, ne manquez pas. Et dimanche, à partir de 9 à 13h, nous aurons une conférence d'impartition pour tous ceux qui veulent soutenir financièrement le ministère. Donc, l'huile sera versée sur la tête de tous les participants entre 9h et 11h pour ouvrir les portes de la royauté dans leur vie. Et puis, ensuite, de 11h à 13h, ce sera la conférence des célibataires. Tous ceux qui cherchent leur âme sœur, ce sera leur rendez-vous. C'est gratuit. L'entrée est gratuite. Donc, tous les célibataires d'heureux, je vous donne rendez-vous. Dieu se manifestera puissamment. Donc, que Dieu vous bénisse. Même ceux qui sont mariés et qui ont des instabilités, qui connaissent des secousses dans leur foyer, Dieu se manifestera dans tous les cas. Ce sera extraordinaire. Donc, je disais donc que je vous parle à partir d'un bain. Laissez-moi vous dire quelques réalités sur un bain que vous ne connaissez pas. Je m'adresse à la jeunesse africaine, à ceux et à celles qui disent à Dieu, Seigneur, donne-moi un bain ou je meurs. Pour ceux qui ne savent pas, un bain, c'est l'Europe. Un bain n'est pas le paradis que vous croyez là, ou le paradis qu'on vous a toujours présenté. Parce qu'il y a des gens qui disent à Dieu, Seigneur, donne-moi un bain ou je meurs. Il y a des Africains, leur plus grand rêve, c'est de venir ici en bain. Ça, c'est leur problème. Il y a des filles, leur rêve, c'est un bain. D'ailleurs, quand tu rentres au pays là, et que tu es un benguiste, c'est toutes les jeunes femmes qui te courent après, juste que tu es un benguiste. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est la réalité dans laquelle les benguistes vivent ici.
la réalité dans laquelle vivent nos frères et nos sœurs noirs. Mbeng est très beau, Mbeng est joli, ça c'est clair. Mbeng est très développé, ça c'est clair aussi. Mais laissez-moi vous dire une chose, mes amis. J'étais en train de réfléchir en moi-même. Je réfléchissais et je me demandais comment une personne peut-elle se sentir à l'aise dans une maison où elle n'est pas chez elle. C'est-à-dire que tu es dans une maison, on te fait comprendre tous les jours que ici ce n'est pas chez toi et tu seras à l'aise dans cette maison. Comment tu vas t'épanouir, comment dans cette maison? La vie en Bénin n'est pas facile, mes amis. Nos frères et nos sœurs noires souffrent ici. Tous avec qui j'ai eu à parler ont des problèmes. C'est un milieu où presque jamais vous n'avez pas de chance de vous intégrer. Pourquoi? Parce qu'on vous rappellera toujours que vous êtes africain. Vous n'êtes pas d'ici. Rentrez dans votre continent. C'est ça le problème. C'est-à-dire l'intégration, même pour ceux qui ont même les papiers là, ils subissent le racisme, la ségrégation. Ce n'est pas facile. On les verra toujours comme des immigrés ici. On les immigrés. On les verra toujours comme des étrangers, comme des. C'est, dans certains milieux, on les verra même comme des singes. Selon tout sous-estimé. Quand nous entrons dans un magasin, j'étais avec mon fils dans un magasin, quand vous entrez étant noir, la première des choses, c'est que vous êtes d'abord sous-estimé. Vous êtes stéréotypé. On vient toujours à côté de vous, demander, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez. On était dans un restaurant, on demande si on cherchait quelqu'un. Et si on cherche les gens au restaurant, mes frères, voilà Mbeng. Il y a les gens qui pleurent pour venir en Mbeng, ils ne savent pas la réalité. Vous voyez les jeunes dames qui courent après les gars qui sont en Mbeng. Ou bien nos frères dans le continent qui courent après les femmes mbenguistes. Et puis vous ne connaissez pas comment quelqu'un souffre ici pour avoir l'argent. Avoir l'argent en Europe, mes amis, c'est compliqué. La vie en Europe est extrêmement compliquée. Elle est dure, elle est difficile, même pour les riches. Même pour les riches. À combien faut-il avoir raison pour celui qui vient se chercher? L'un des avantages de Mbeng, c'est sa beauté et puis sa monnaie, qui est très très élevée par rapport à notre monnaie. Mais je vous dis la vérité, sur 10 Africains avec qui j'ai causé, 9 veulent retourner en Afrique. Donc Mbeng, c'est un peu comme le mariage. Pendant que ceux qui sont dedans, plusieurs veulent sortir. Ceux qui sont dehors disent, Seigneur, où tu me donnes le mariage, où je meurs. Vous voyez. Donc ça fait que beaucoup d'Africains ici en Europe ne se sentent pas chez eux. Ils ne sont pas en paix en fait. Ils ne sont pas à l'aise. Et il faut s'accrocher, il faut toujours s'accrocher. Ceux qui viennent par le mariage, le jour où le mariage est fini, c'est où tu comprends que Mbeng, c'est Mbeng. Mbeng n'est pas chez toi. On n'est jamais bien que chez soi. C'est ça la simple vérité. Donc les gens souffrent ici, les Africains souffrent ici. Les Mbenguistes souffrent, tu ne peux pas. C'est pour ça que certains Mbenguistes ne jouent pas avec leur argent quand ils rentrent au bercail. Ils sont très jaloux de leur argent parce qu'ils savent comment ils souffrent. Et beaucoup d'Africains sont donc obligés de se prostituer ici pour pouvoir s'en sortir. La condition de l'homme noir est très compliquée dans ce monde-ci. Je ne sais même pas ce qui nous arrive. C'est que la peau aussi nous a attirés. La couleur de la peau aussi. Juste pour la couleur de la peau. Je ne comprends pas, mes amis. Partout nous partons. Nous sommes la dernière race sur la terre. La dernière, la toute dernière. Or, c'est la première en richesse. L'Afrique, elle est le réservoir de la planète Terre tout entière aujourd'hui. Mais nous vivons dans une misère et nous sommes méprisés. Pourtant, je disais à mon fils qui me conduit, que regarde Mbeng, la plupart des choses de Mbeng ici viennent de chez nous. La beauté de Mbeng, ça vient de l'Afrique. Les matières premières viennent de chez nous. Mais nous ne sommes pas bien accueillis ici. Mais nos matières premières sont même adorées. Ouais. L'homme noir souffre ici. Les Mbenguistes souffrent, mes frères. Donc avant de vouloir venir en Mbeng, réfléchis 2 ou 3 fois. Réfléchis même 7 fois. Parce que les Mbenguistes, moi je suis ici, je suis un Mbenguiste saisonnier. Et je disais à quelqu'un que même si on me tue, je ne peux pas venir habiter en Mbeng. Je ne quitterai jamais l'Afrique pour venir habiter en Mbeng. Je peux venir passer du temps en Mbeng, mais je retourne chez moi.
Je suis fier d'être africain. Je suis heureux d'être africain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir en Mbeng habiter. Tu veux venir habiter, viens, mais il faut que tu saches quelles sont les réalités. La plupart de nos sœurs qui se marient aux Mbengistes, qui viennent ici-là, elles sont lâchées. Et laissez-moi vous révéler quelque chose. La plupart d'entre elles, quand elles arrivent ici avec leur Mbengiste, bon, pas leur Mbengiste, ça veut dire qu'avec leur Européen qu'elles ont pu avoir, sur 10 de ces mariages, parfois, aucun ne réussit. Sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça finit toujours par capoter. Vous-même, faites le bilan autour de vous. Combien de mariages vous connaissez entre un Noir et un Européen qui ont réussi jusqu'à leur vieillesse? Jusqu'à quand ils vieillissent maintenant, le mari dit à la femme, retourne en Afrique, on peut rester. Vous connaissez combien de couples mixés là-bas en Afrique qui sont vieux parce que la femme a subi son mari? Je n'ai jamais vu. Jamais, je n'ai jamais vu depuis que je suis né. Ça montre la rareté de la chose. De la plupart de ces femmes ou de ces hommes qui se marient aux Européens, après cela, on les lâche ici. Parce que la personne a autorité sur toi, en fait. Elle a de l'avantage sur toi, elle est chez elle. Et tu es un étranger chez elle. Donc, le jour où ça va capoter tout ça, l'homme qui disait qu'il t'aime ou la femme qui disait t'aimer là, va te rappeler qu'en fait, tu n'es qu'un Mbengiste, un pauvre Mbengiste. Et que tu es venu pour exploiter les choses d'un Mbeng. Et là, tu te trouves à la croisée des chemins. Là, tu vas voir une jeune femme qui va venir, elle est épousée un Européen, ils arrivent, après un an, 10 ans, 5 ans, le mariage capote. La plupart de mes enfants, tous mes enfants même que je connais, tous, toutes mes filles que je connais, mariées là, qui étaient mariées aux Européens, ont divorcé. D'autres sont en train d'attendre la mort du mari pour se séparer. Voilà la réalité de Mbeng, que les gens ne savent pas, qu'on ne vous dit pas. Maintenant, l'Européen va t'abandonner quand tu es ici. Après, tu lui dis, bon, il faut que je m'accroche sur un de mes frères Mbengistes aussi. Parce qu'il vient du pays. Tu vas t'accrocher sur lui. Et le gars, lui, ne s'en sort pas. Lui aussi, après, il va aller s'accrocher peut-être sur une vieille Européenne, tout cela. J'ai reçu un jeune homme qui vient avec une mémé. Une dame Européenne, une mémé, qui n'a plus de dents. Et je vois comment il dit à la dame, attendez, attends ici. Et il s'approche de moi sur ma table, il dit, pardon prophète, priez pour moi, que la femme là me quitte, qu'elle me laisse tranquille. Je demande qu'elle c'est qui, elle dit que c'est ma femme. Je dis, pardon. Un jeune homme de 20 jours d'année, il allait épouser une mémé, une fois près de 70 ans, qui n'a plus de dents. Il me dit que je prie pour que la femme là parte, que je chasse la femme là aux côtés de lui. À ses côtés. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est ma femme. J'ai ta femme comment? Il dit que non, c'est marié, je voulais juste les papiers. Voilà la réalité que les gens vivent en Mbeng. Je lui ai dit que mon frère, je cherche, je trouve, je supporte. Tu as cherché, tu as trouvé, il faut supporter. Et je lui ai dit que la Bible dit que l'homme dont on ne sépare pas, c'est que Dieu a joué. Je lui ai dit que je ne veux pas prier. Je lui ai dit que pendant que je parlais, la mémé est venue. Il fait bisous. Oh chéri, bébé. J'ai vu qu'on le gâtait jeûner. J'ai dit, il faut lui faire bisous. C'est ta femme. Tu as cherché, tu l'as supporté. Donc, c'est un peu ça la réalité. Les gars vivent mal ici. C'est la souffrance. Les gens sont des plongeurs, les noirs. Beaucoup là sont des plongeurs. Et maintenant, tu dois comprendre une chose. Même si tu gagnes combien par mois ici, tu ne peux pas avoir ton appartement seul avec les sous-métiers. Ça coûte énormément cher, mes amis. La vie coûte cher ici. La vie coûte énormément cher. Et ça fait que les gens viennent, ils vivent comme les esclaves. Après, on est obligé de se retrouver en train de faire des choses sales, la prostitution et beaucoup d'autres choses que vous connaissez, même pas appeler le nom pour qu'on Facebook comment encore me bloquer. Voilà. Les deux-deux. Prostitution et puis les deux-deux. Donc, mes amis, c'est ça la réalité de Mbeng. La plupart des Africains que je connais, mes enfants, avec qui je causais, m'ont toujours dit, on veut retourner au pays. On ne se sent pas chez nous. Ils pleurent l'Afrique. L'Afrique est un trésor, mes amis. L'Afrique, c'est un trésor. Laissez-moi vous le dire. Le paradis, c'est l'Afrique, ce n'est pas Mbeng. Le paradis, c'est l'Afrique. Nous sommes le grenier du monde. Devons travailler pour développer notre belle Afrique.
Devons travailler pour que notre belle Afrique soit aussi comme bien. Lorsque tu regardes la maison de ton voisin, c'est bien, tu as le terrain, tu as un travail. Arrange ta maison aussi, au lieu de quitter ta maison, parce qu'elle n'est pas aussi belle que celle du voisin pour aller là-bas. Arrange ta part, si c'est possible de faire, qu'elle soit plus belle que celle du voisin. Bon, mais cependant, il y a aussi des gens qui réussissent ici. Mais il faut que vous compreniez que même ceux qui réussissent en tant que noirs subissent des pressions raciales, toujours. Même les footballeurs, les grands footballeurs des internationaux, que vous pouvez dire, ah non, eux au moins, s'ils sont à l'abri, vous voyez comment les traitent dans les terrains, les stades, quoi que ce soit des stars planétaires. Mais cependant, c'est compliqué, mes amis. Donc, un benguiste, sur le plan sentimental, souffre beaucoup. Parce qu'un benguiste va arriver en ben, il y a les blanches partout, il y a les métis partout. Il s'accroche donc à une blanche, il se dit que bon, c'est bon, si j'ai une blanche, j'ai quelqu'un de ben, une fille de ben, ou j'ai un fils de ben, puis je suis déjà sur place en ben. Alors automatiquement, je serai bien. Et après un jour, on le lâche, on la lâche. Le pauvre, il décide maintenant de retourner en Afrique, il se dit, il y a trop de déceptions ici avec les filles de ben. Maintenant, il va, il fait, il lit cahier d'un retour au pays natal. Il retourne au bercail. Et quand il arrive au bercail, il prend une jeune femme noire, sa sœur, africaine. Il l'amène aussi. Elle aussi, elle a l'esprit d'un Mbeng et d'un Mbengiste. Dès qu'elle arrive ici, à un fils de Mbeng, à un Européen. Parce qu'elle se dit que mais le noir, s'il a payé le billet d'avion, je vais encore se faire quoi avec lui. Je suis déjà arrivé en Mbeng. Et c'est comme ça. Ça veut dire qu'on fait les gens. Les Africains, la plupart du temps, leur mariage avec les Européens, avec les gens, les enfants de Mbeng, ne sont pas des mariages vrais. C'est parce qu'il va arriver à Mbeng. Maintenant, voilà le Mbengiste qui prend sa sœur africaine, il l'amène ici. Donc, il prend sa sœur africaine et sa sœur africaine le lâche. Et le gars se retrouve dans une déception sentimentale terrible. Voilà, bien aimé, c'était juste pour partager avec vous la jeunesse africaine sur Mbeng. Donc voilà, bien aimé, la nuit de prière, c'est ici en France, à 8 rue Serpente, Champigny-sur-Marne, 94, 500, je pense. Donc voilà un peu l'adresse, ce sera de 21h à 5h. Et puis dimanche, 9 à 13h, nous aurons une conférence d'impartition où l'huile royale sera versée sur la tête de tous ceux. Merci, messieurs, merci. Ce sera extraordinaire, ne manquez sous aucun prétexte à cela. Et je suis heureux d'être là et je voudrais partager ce moment extraordinaire. J'ai hâte d'être là dans les salons du Grand Paris ce vendredi. Ce sera extraordinaire. On a un grand live ce soir à partir de 22h. Dieu manifestera sa gloire dans ta vie. S'il te plaît, passe l'annonce autour de toi et retrouvons-nous le soir pour d'autres dossiers très important et je veux prier pour l'ouverture des portes fermées dans nos vies. Que Dieu te bénisse. I love you so much. Bye. Shalom.